Monsieur le Premier ministre, nous savions que pour M. Guéant, la distance entre immigration et invasion est totalement inexistante et qu'il peut savamment entretenir la confusion entre civilisation et régime politique. Ce n'est pas un dérapage, c'est une constante parfaitement volontaire. En clair, c'est un état d'esprit et c'est presque une croisade. Monsieur Guéant, vous déclarez du fond de votre abîme, sans remords et ni regret, que toutes les civilisations ne se valent pas, que certaines seraient plus avancées, voire supérieures. Non, monsieur Guéant, et non à vous aussi, ce n'est pas du bon sens, c'est simplement une injure qui est faite à l'homme. C'est une négation de la richesse des aventures humaines. C'est un attentat contre le concert des peuples, des cultures et des civilisations. Aucune civilisation ne détient l'apanage des ténèbres ou de l'auguste éclat. Aucun peuple n'a le monopole de la beauté, de la science, du progrès ou de l'intelligence. Montaigne disait « Chaque homme porte la forme entière d'une humaine condition ». J'y souscris. Mais vous, M. Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation? Mes chers collègues, la barbarie de l'esclavage dans la colonisation, était-ce une mission civilisatrice? Il existe, monsieur le Premier ministre, collègues, allons, on se calme. Une France obscure qui cultive la nostalgie de cette époque, que vous tentez de récupérer sur les terrains du Front National. Asseyez-vous. C'est un jeu dangereux et un démagogique qui est inacceptable. Il existe une autre, celle de Montaigne, de Condorcet, de Voltaire, de Césaire, ou d'autres encore. Une France qui nous invite à la reconnaissance que chaque homme merci, dans son identité et dans sa diversité. Alors, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. On se calme. Allez demander au ministre qui répond. Je vous en prie, mes chers collègues, on se calme. Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. Qui y a-t-il une réponse? Cette intervention appelle-t-elle une réponse du gouvernement? Allez vite demander. Comment ? La séance est suspendue.